Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire pour lequel vous vous êtes inscrit ce matin avec Saint-Gobain Solutions France et Intech Service. Ce webinaire a pour thématique l'acoustique des bâtiments, combiné des prescriptions d'absorption et d'isolation pour un confort optimal. Donc, nous allons avoir plusieurs intervenants, dont Sylvain Coudray et Thierry Surville, qui vont pouvoir vous présenter leur expertise sur cette thématique forte. Je vais juste vous demander donc de bien vouloir couper votre caméra et de couper votre son pour une bonne passante, pour éviter les problèmes lors de la diffusion de la présentation. Donc, s'il vous plaît, merci de bien couper le son et la caméra. Un autre petit point, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous y répondrons au fur et à mesure, sur plusieurs temps de questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et si vous avez des problèmes techniques ou autres, n'hésitez pas non plus à nous le dire dans le chat. Nous essaierons de résoudre le problème. Donc, maintenant, je vais passer la main à Pascal Jeunesse, directeur Saint-Gobain Solutions France. Alors, un des membres pour rectifier de Saint-Gobain Solutions France, puisque le directeur de Saint-Gobain Solutions France, effectivement, est Olivier Servan. Voilà, donc rapidement, je vais vous parler en quelques minutes de Saint-Gobain. Donc là, pour attendre, pour passer les slides. Je vais voir. Ici. Voilà. Ici, ça marche. Alors, c'est là. Donc, Making the World a Better Home. En fait, c'est plus qu'une simple phrase, c'est une ambition qui intègre les enjeux d'aujourd'hui et de demain pour Saint-Gobain. C'est répondre aux attentes individuelles d'aujourd'hui à travers la performance des solutions pour le confort thermique, acoustique ou la qualité de l'air, mais aussi la sécurité, l'accessibilité et l'esthétisme. C'est répondre aussi aux défis collectifs de demain en tendant vers une construction durable, une meilleure mobilité, gestion efficace des ressources, en prenant en compte la croissance démographique et le changement climatique. Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des solutions et des systèmes. En fait, ces matériaux se retrouvent partout dans notre habitat, mais également dans nos transports, nos infrastructures et aussi dans de nombreuses applications industrielles. Il faut savoir qu'un produit sur quatre n'existait pas il y a moins de 5 ans. Notre vision est que le bâtiment de demain sera de plus en plus confortable, abordable, décarboné et faible en intensité de ressources. Nous avons d'ailleurs l'ambition de viser la neutralité carbone d'ici 2050. Concernant le sujet de la WebTech de ce jour, combiner des prescriptions d'absorption et d'isolation pour un confort optimal, nous allons pouvoir y associer les solutions de placo, isovert et isonat sur la partie isolation acoustique, et euroacoustique, écofond, placo-métal, sur le sujet de l'absorption acoustique. Sachez que nous sommes au plus près de vous concernant notre réseau de distribution et d'enseignes, avec ses 2000 points de vente répartis sur le territoire. Alors, au début de nos origines, nous passions 90% de notre temps en extérieur. En quelques siècles, nous avons inversé notre mode de vie et désormais, c'est 90% de notre temps que nous passons à l'intérieur d'un bâtiment. Nous devons donc nous adapter dans ce nouvel environnement et ce nouveau mode de vie pour qu'il soit bien sûr beaucoup plus confortable pour nos sens. Et donc, le confort acoustique en fait partie. Dans le confort acoustique, il faut dissocier l'isolation de l'absorption acoustique. L'isolation, c'est bien se protéger d'un bruit de l'extérieur venant de l'intérieur ou de pièce à pièce. L'absorption, elle, c'est effectivement réduire la résonance et diminuer le bruit ambiant d'une pièce. Et pour ça, pour avoir une meilleure explication, je vais passer la main à Thierry, Sylvain Coudray, qui va nous expliquer effectivement ce qu'est l'absorption acoustique. Sylvain, c'est à toi. Merci Pascal. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Très bien. Ok, donc je prends la main sur la présentation. Donc du coup, il y a deux grandes notions
que je souhaitais déjà vous parler en fait en introduction, c'est l'isolation versus l'absorption. Donc aujourd'hui, on va vous aborder les deux thématiques. Donc d'un côté, l'isolation, donc l'acoustique entre deux pièces ou de l'extérieur vers l'intérieur, et donc l'absorption acoustique qui va traiter de l'acoustique dans une seule et même pièce dans le même local. Voilà. Donc, je vais vous parler d'absorption acoustique, comme ce qui était annoncé au départ. Donc, quand on parle en fait d'absorption acoustique, finalement, c'est lorsqu'on souhaite traiter la correction acoustique d'un local. Donc, la correction acoustique, c'est traite de la réponse d'un local où se trouve simultanément donc, la source du bruit. Donc, ça peut être une personne donc, qui parle, un bruit de conversation, ou bien encore un bruit d'équipement, par exemple. Et également la réception, donc les occupants, donc ça peut être des salariés dans un espace de bureau, des élèves à l'école ou bien encore des patients dans un hôpital. Donc selon l'usage du local, l'objectif recherché est de soit améliorer les conditions d'écoute, c'est le cas notamment pour les salles de classe ou bien encore les auditoriums, donc c'est des espaces dans lesquels on a besoin d'une forte précision quant au message qui va être transmis, ou bien encore de diminuer le niveau sonore. Et ça va vraiment jouer sur le confort dans l'espace. Et c'est le cas notamment, par exemple, dans un restaurant, où on a besoin vraiment d'un niveau sonore qui soit le plus réduit possible pour apprécier son repas. Ou encore dans les bureaux, où on a besoin vraiment de concentration pour travailler. Voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Donc, quand on parle de correction acoustique, il faut un indicateur qui permet en fait de qualifier l'acoustique dans une pièce. Et on parle de temps de réverbération pour cela. Donc, c'est un temps donc, qui est exprimé en secondes. Donc, en fait, c'est un paramètre qui est normé. Les acousticiens s'appuient beaucoup sur ce paramètre pour qualifier donc, l'acoustique d'un espace. Et on le retrouve notamment également dans la réglementation. Donc, c'est en fait tout bêtement le temps que va mettre le niveau sonore qui va être, par exemple, émis par un acousticien dans une pièce. Dès l'instant où il va l'arrêter, donc l'émission de son niveau sonore, on va lancer le chronomètre et on va attendre que le niveau sonore décroît de 60 décibels et on va arrêter le chronomètre. Et c'est donc cette durée qui s'appelle le temps de réverbération. Donc, c'est en fait tout bêtement le temps que va mettre le niveau sonore à décroître de 60 décibels. Donc, je vous disais que c'est très utilisé dans la réglementation. Je vais en citer quelques-unes. Je commence donc tout d'abord par la santé, puisqu'il existe une réglementation donc, qui est en vigueur depuis le 25 avril 2003, qui va être en fait cibler des temps de réverbération en fonction du type de local. Par exemple, pour les salles d'examen, les salles de repos du personnel. Si je peux vous citer des exemples, par exemple, la salle de repos, on a un indicateur qui donne un temps de réverbération qui doit être inférieur ou égal à 0,5 secondes. Pour une salle d'examen, ça sera un temps de réverbération inférieur ou égal à 0,8 secondes. Si maintenant je prends l'éducation, ça va être le même arrêté, finalement, un autre arrêté, mais qui est sorti sur la même date, le 25 avril 2003. Et donc, ça va être la même chose, ça va être un temps de réverbération en fonction du type de local. Par exemple, la salle de classe, on dit que le temps de réverbération doit être compris entre 0,4 et 0,8 secondes. Pour la salle de restauration, le TR doit être inférieur à 1,2 secondes. Voilà, donc c'est des indicateurs, des seuils à ne pas dépasser pour permettre un bon confort acoustique dans ces différents locaux. Un autre exemple un peu différent, c'est les bureaux. Pourquoi différent? Parce que les bureaux, finalement, n'ont pas de réelle réglementation comme on l'a pu l'avoir sur la santé ou l'éducation, mais on a uniquement le code du travail. Le code du travail, lui, indique que dès l'instant où on dépasse les 85 décibels, l'employeur est obligé de mettre en place un programme de protection pour son salarié. Seulement, c'est plus, on va dire, en lien avec l'industrie et moins en fait avec nos espaces de bureau que l'on connaît très bien. Donc, pour ce faire, il existe plusieurs normes qui sont en vigueur, donc d'application volontaire. Et j'en cite notamment deux. Donc, la première, la NFS 31080, qui traite donc de la qualité acoustique des bureaux et espaces associés. Donc, dans cette norme, vous allez avoir différentes typologies de bureaux, que ce soit le bureau individuel, collectif, les espaces de détente, les espaces de restauration, etc. Et donc, par exemple, pour le temps de réverbération, on dit que dans un bureau individuel, le temps de réverbération doit être inférieur ou égal à 0,6 secondes si je vise des niveaux très performants en termes de qualité acoustique. Pour les salles de réunion, par exemple, on peut aller jusqu'à 0,4 secondes pour avoir quelque chose de très performant et assurer donc un niveau sonore qui soit le plus adéquat possible. Une autre norme qui est toute nouvelle, hein, puisque cette norme en fait a été sortie et publiée donc, en juin de cette année, donc, qui traite de la qualité acoustique des espaces ouverts de bureaux cette fois-ci. Donc, on s'intéresse vraiment aux open space. Et en fait, cette norme va, par type d'activité, donner des indices et donc des critères de performance acoustique en fonction de ces différents types d'activités. Donc, on a par exemple les centres d'appel, les activités où on collabore nettement,
Voilà, il y a différentes activités, il y en a 6 au total. Et par exemple, pour le travail collaboratif, le TR il doit être inférieur ou égal à 0,5 secondes. Voilà. Quand on parle de correction acoustique dans un espace, il faut également prendre en compte quelle activité va s'y passer, quelles sont les personnes qui vont être présentes dans le lieu et également comment est constitué mon espace, comment il est conçu. Donc, lorsque je parle d'activité, tout bêtement, il y a différentes questions à se poser. Qu'est-ce que vont faire les gens dans l'espace? Est-ce qu'ils vont travailler sur un téléphone uniquement, sur leur ordinateur, ou est-ce qu'il va y avoir plus un travail collaboratif en équipe? Lorsqu'on veut savoir qui en fait va travailler dans ces espaces, donc c'est est-ce qu'ils vont être jeunes, âgés, donc ça va aussi jouer hein, sur la qualité acoustique. Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers en termes donc de confort acoustique? Et enfin, la conception même du volume est très importante puisqu'on ne va pas avoir les mêmes critères acoustiques si on a une pièce qui va être uniquement carrée ou si on a des grands espaces, des gros volumes rectangulaires ou bien en forme de donc, cathédrale où les plafonds en fait, sont très hauts en termes de hauteur. Également, le type de matériaux installés va être très important. Est-ce que j'ai des matériaux qui vont être réverbérants, c'est-à-dire de qualité acoustique très mauvaise, qui vont en fait, l'onsonore va réverbérer à sa surface. Donc, ça va amplifier en fait l'inconfort acoustique, ou bien également, est-ce que je vais avoir beaucoup d'équipements présents dans mon espace? Maintenant, si on s'intéresse vraiment au matériau en lui-même, comment ça se passe? Donc, en fait, on appelle la performance acoustique d'un matériau, ça passe par son coefficient d'absorption acoustique qui s'appelle alpha W. Finalement, l'alpha W, c'est un rapport d'énergie. Vous voyez ici sur le schéma à droite, tous ces numéros, en fait, sont reliés ici. Donc, l'alpha W, c'est un rapport d'énergie entre l'énergie qui va être transmise, le numéro 1, dans le plénum, hein, tout bêtement, plus l'énergie qui va être convertie à l'intérieur donc de mon matériau, sur donc le rapport avec l'énergie qui va être émise, qui va provenir en fait de la source du bruit. Et donc ce rapport, il est compris entre 0 et 1. 0 veut dire que du coup, mon matériau est complètement réfléchissant, il ne va pas du tout absorber l'onde sonore, et 1, il va complètement absorber cette énergie sonore. Maintenant, comment est classé donc ces matériaux? En fait, on a une classification qui existe, donc qui est normée, hein, suivant la 11654, et qui dit en fait qu'en fonction de mon alpha W, je vais avoir une classification qui va de A à E. A étant la meilleure des classes, E est la moins bonne. Et d'après cette valeur, en fait, hein, si vous prenez par exemple un plafond suspendu où on va installer un matériau de classe C, donc avec un alpha par exemple de 0,70, et un plafond suspendu de classe A avec un alpha de 0,95, et ben pour mon plafond en classe C, en fait, il faut l'imaginer comme ça, c'est-à-dire genre 70% de mon plafond qui va contribuer à l'absorption acoustique et 30% finalement qui va juste réfléchir le son. Alors que si je mets un matériau de classe A, on a quand même jusqu'à 95% du plafond qui va être actif et qui va absorber ce son. Juste pour information, maintenant, à l'heure où je vous parle, les matériaux acoustiques, les matériaux de classe A, quand je parle de tarifs, au prix au mètre carré, on a très peu de différence à l'heure actuelle entre un matériau de classe A et classe C. Donc pourquoi ne pas complètement en fait passer sur des solutions qui sont quand même plus absorbantes et de meilleure qualité? Donc la performance acoustique, elle est suivant cette forme, c'est-à-dire que c'est un graphique, c'est une courbe acoustique qui va représenter en fait l'alpha donc par bande de fréquence, et vous avez donc l'alpha W qui est ici, qui est une sorte en fait de moyenne. C'est pas tout à fait une moyenne arithmétique, mais plus une moyenne qui est en fait également présente dans une norme qui va donner cet indice d'alpha W. Également, je voulais vous préciser qu'il est important lorsque vous avez des rapports d'essai de matériaux acoustiques de bien prendre en compte la hauteur totale de construction de l'essai qui est fait en laboratoire. Il est normé également, hein, c'est 200 mm, et il est des fois en fait important donc de regarder ça parce que vous pouvez avoir des matériaux qui ont été testés à 50 mm par exemple. Donc c'est bien important de bien vérifier cette donnée. Maintenant, je voulais vous faire une petite écoute donc d'une pièce qui n'est en fait sans plafond acoustique, donc qui est très réverbérante, avec une pièce où on met un plafond acoustique de classe absorption A. Donc, je vais vous faire écouter la première pièce. Voilà, donc vous n'avez rien compris. Pour deux raisons. La première, parce que c'est en suédois. Et la deuxième, parce qu'on est en fait dans une pièce qui est réverbérante, où en fait, on a une pièce qui contribue, ce qu'on pourrait appeler à l'effet cocktail. Donc, c'est l'effet en fait qui est l'escalade des niveaux sonores, qui fait qu'on arrive justement à des niveaux voilà, élevés comme celle-là. Maintenant, la pièce avec un matériau de classe A. Man kan tale om en egentlig bebyggelse ved Langøre.
Voilà, donc vous avez toujours rien compris parce que c'est en suédois, mais au moins vous avez entendu le message et donc vous vous rendez bien compte quand même de l'impact qu'a le plafond absorption. Maintenant, je prends le cas des îlots flottants. Donc là, je viens de vous parler des plafonds suspendus, mais il y a aussi d'autres solutions acoustiques qui existent dans la pièce. Par exemple, les îlots flottants. Donc, on les installe régulièrement pour plusieurs raisons. Par exemple, parce qu'on est en rénovation et qu'on souhaite ne pas modifier le plafond déjà installé. Donc, on vient rajouter ces îlots en plus du plafond suspendu en dessous. Des fois, on a également des contraintes de plénum réduit. Et donc, un plafond suspendu avec son ossature est très compliqué à installer. On a également les dalles de béton active qui contraint en fait à ne pas pouvoir installer un plafond de mur à mur. Les dalles de béton active, c'est des dalles en fait qui chauffent et qui refroidissent l'espace grâce du coup à cette dalle donc, qui est en béton et qui du coup contraint en fait l'installation d'un plafond suspendu sur toute la surface. On a également le principe des verrières. Donc le principe, c'est évidemment de faire rentrer de la lumière par le plafond. Et donc si on vient installer un plafond suspendu mur à mur, le problème, c'est qu'on va du coup ne pas pouvoir profiter de cet apport de lumière. Ou tout simplement, pour des envies architecturales, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'architectes qui préfèrent ce genre de solution au plafond mur à mur. Donc les solutions d'îlots flottants, c'est très efficace pour ajouter de l'absorption dans une pièce en complément d'un plafond, ou tout bêtement donc, pour pouvoir remplacer le plafond mur à mur. Donc, ces éléments en fait absorbent à la fois sur la surface visible, mais également sur les rives, donc les champs sur, tout autour de la dalle, et également par-dessus l'îlot suspendu. Donc, le coefficient d'absorption alpha W, c'est plus un paramètre adapté, parce qu'on ne parle plus d'éléments de surface, mais on parle de plusieurs surfaces. Et donc, on va parler cette fois-ci de performance d'air d'absorption équivalente. Donc, comment ça se passe? En fait, vous avez, là, je vous fais une comparaison entre un plafond suspendu et un îlot suspendu. Donc, quand je mets un îlot 1200-1200 qui vaut en fait 1,44 m², d'un matériau, on a en fait une aire d'absorption équivalente de 2,5 m² Sabine. Donc, mètre carré Sabine, c'est l'unité utilisée pour l'aire d'absorption équivalente. Donc, il faudrait en fait, face à ça, un plafond à alpha W de 2,5 m² et non 1,44. Vous voyez bien, du coup, l'impact qu'a l'îlot, on va dire qu'il absorbe plus sur une surface au sol moins importante. Donc la qualité acoustique des îlots, elle va varier suivant différents paramètres. Elle va varier sur la quantité de surface exposée aux champs sonores. Elle va également varier sur la répartition donc, des îlots dans la pièce. Elle va aussi également varier en fonction de la hauteur d'accroche. Plus en fait vous allez être proche de la source sonore, donc vous allez descendre finalement l'îlot suspendu, meilleur vous serez en absorption acoustique parce que vous serez plus proche de la source. Et également, ça va jouer aussi sur la qualité du matériau absorbant en fonction de sa composition notamment. Il y a également d'autres éléments suspendus qui sont les baffles. Donc cette fois-ci, c'est plus des éléments horizontaux mais verticaux. Donc c'est le cas, donc comme vous voyez ici sur les images en dessous. Donc ça s'appelle des baffles acoustiques. Et donc leur effet acoustique, il va être variable également en fonction de la hauteur d'accroche, la distance entre les rangées, également leur inclinaison. Donc tous ces paramètres, en fait, sont à prendre en compte lors d'une installation et sont forcément validés par un acousticien pour avoir une optimisation de mon absorption acoustique. Et également, donc, un autre élément qui est très important, ce sont les panneaux muraux, donc qui sont un vrai complément au plafond suspendu pour plusieurs raisons, et notamment, je vais vous parler du problème numéro un, c'est dans les salles de sport ou encore les restaurants, les salles de réunion, même les laboratoires, c'est finalement la résonance qui est liée cette réverbération qui est entre deux murs parallèles. Si ces murs parallèles ils sont proches, vous avez l'onde sonore en fait, qui va rebondir de part et d'autre. Et donc un plafond suspendu ne sera pas efficace pour avoir ce champ sonore qui va être rasant, qui va être horizontal. Donc il est important de mettre des panneaux muraux pour améliorer ce confort. Donc vous voyez ici en image ce que ça donne. Et ces ondes sonores horizontales, en fait, elles participent à ce qu'on appelle un écho flottant, donc qui est en fait voilà, ce ping-pong entre les murs de l'onde sonore. Donc les panneaux muraux, donc ce sont des solutions souvent différents types. Donc c'est soit ces absorbants muraux de grande taille, donc des absorbants qui vont couvrir tout un mur. Ça peut être également des petites tailles, donc comme vous voyez ici, donc ça peut être des tableaux en quelque sorte, hein, que vous allez accrocher à certains endroits bien précis dans une salle. Ça peut être également ce qu'on appelle donc les écrans acoustiques, les cloisonnettes, qui sont donc sur pied et qui permettent également, donc notamment dans les grands espaces, on a besoin de couper le l'onde sonore avant qu'elle aille en fait au contact d'un mur, parce qu'on est sur des gros volumes. On rajoute ces éléments intermédiaires, ce qu'on appelle des cloisonnettes, qui permettent du coup voilà, d'atténuer sur les grandes portées l'onde sonore. On a différentes matières, différents revêtements.
On a aussi on peut avoir du métal, hein, pas que forcément que l'aluminium minéral, on peut avoir aussi du bois ou même des plaques de plâtre perforées. Maintenant, je vais vous montrer, d'après tout ce que je viens de vous dire, comment se déplace l'onde sonore en fait dans ma pièce en ajoutant en fait des éléments acoustiques, donc un plafond absorbant et des panneaux muraux. Donc à gauche, vous avez une pièce sans plafond absorbant et à droite avec plafond absorbant. Donc, vous voyez en image en fait le déplacement de l'onde sonore. Alors je suis désolé si ça bug un petit peu, mais en gros, vous voyez bien qu'à gauche, on a une forte quantité d'onde sonore, à droite, on a déjà très nettement diminué la propagation de l'onde. Et maintenant, si je rajoute mes panneaux muraux, on va contribuer à réduire les ondes sonores qui sont notamment horizontales, qui n'auraient pas pu être absorbées juste en mettant un plafond. Donc, en synthèse, les bienfaits apportés par cette absorption acoustique sont multiples, notamment donc, en premier lieu, donc, réduction de la propagation du son et du temps de réverbération. Donc, c'est vraiment les choses essentielles de la correction acoustique, ce sont d'agir sur ces paramètres. On réduit donc le niveau sonore aux alentours donc de l'élément qui émet une source de bruit. On va aussi améliorer donc la clarté du discours grâce en fait à cette absorption du champ sonore rasant et ainsi pouvoir améliorer le confort d'écoute des personnes qui sont également dans la même pièce. On va réduire aussi d'autres phénomènes qui sont par exemple le stress engendré par ce fort niveau sonore et les symptômes qui s'en sont liés. Également, on va réduire l'effort vocal, les personnes n'auront plus à forcer sur leur voix. Et on améliore également la capacité de concentration des personnes donc, qui sont situées dans la même pièce. Maintenant, très rapidement, je vais vous parler de quelques solutions pour que vous puissiez ensuite mettre un nom en fait, sur les solutions qui sont dans notre gamme de produits. Donc, je vais commencer rapidement par les solos, qui sont notre gamme de produits, donc d'îlots flottants. Donc en fait, ce sont des éléments suspendus sur lesquels on propose différents formats. Donc on part d'un îlot acoustique carré, qu'on va dire très classique, rectangulaire également. On peut avoir aussi tout un système d'îlots en fait en maillage, comme vous pouvez voir ici. Donc ça fait vraiment un phénomène de plafond flottant cette fois-ci. Mais ce sont bien des éléments donc suspendus. Ensuite, on peut avoir des cercles, des grands cercles. On a également une gamme donc d'îlots en fait sur mesure, sur lequel en fait vous pouvez laisser libre choix votre créativité en dessinant par exemple ici un personnage, un nuage, etc. On a également une gamme de revêtements textiles qui s'associe très bien en fait au mobilier et tendance de bureau donc d'aujourd'hui et même de demain. On a également donc des éléments en métal, on a des baffles verticales. On a également ce qu'on appelle donc des baffles murales, qui sont en fait des éléments acoustiques, cette fois-ci suspendus contre le mur. Et c'est très très esthétique, comme vous pouvez le voir ici. Une autre gamme de produits qui s'appelle la gamme Focus, donc cette fois-ci ce sont des plafonds suspendus sur lesquels on propose différents types de bords, donc différents esthétismes en fonction du choix que l'architecte souhaite donner au plafond suspendu avec différents coloris, différents revêtements. Donc vous voyez voilà, quelques représentations sur cette slide. On a une nouveauté qu'on a lancée qui s'appelle le Focus Levels. Donc c'est cette fois-ci des solutions qui sont collées directement au support. Lorsque, par exemple, on a des contraintes de faible hauteur de plénum, c'est intéressant de coller directement la solution. Donc cette fois-ci, la solution, c'est Focus Levels. On a différentes épaisseurs de matériaux. Donc on peut jouer sur un vrai calepinage avec des dimensions aussi différentes, ce qui permet voilà, d'avoir ce genre de projet. Également une autre solution pardon qui s'appelle le Master EG. Donc cette fois-ci c'est un plafond qui est suspendu mais qui va créer en fait cette apparence qui est flottante. Donc c'est très simple à mettre en œuvre puisqu'on reste toujours sur une ossature classique TED24 mais avec une finition de rive qui permet de créer voilà ce plafond flottant. Donc ça c'est une solution qu'on vient de sortir donc cette année et qui est voilà toute nouvelle dans notre gamme de produits. Enfin, je vous parlais de panneaux muraux, ça s'appelle la gamme Acousto chez nous. Donc, on a la gamme Acousto Wall, Wall A ou Wall C, en fonction de la finition souhaitée, et les éléments individuels qui s'appellent Acousto One, donc en cercle ou en carré. Et on a lancé tout récemment, en fait, une gamme d'écrans acoustiques, donc l'Acousto Screen, donc qui est en fait une cloisonnette d'1,40 m de haut, qu'on peut installer donc très rapidement, en 10 minutes, sur des pieds, comme vous voyez ici, avec différents revêtements qui sont désinfectables. Et je souhaitais parler chez Plafometal de deux solutions. Donc la première, c'est le bac PM300. Donc c'est un élément qui peut être installé en intérieur, en plafond, ou en plafond à l'extérieur, et c'est le cas notamment des préaux. C'est vrai qu'il est très compliqué de pouvoir installer des éléments acoustiques sous les préaux, dû en fait à l'exposition qu'ils subissent, hein, le vent, l'humidité notamment. Le PM300 s'y adapte très bien et permet d'améliorer le confort acoustique sous les préaux.
On a également une gamme de solutions en panneaux muraux qui s'appelle l'Acoustiroc. Donc l'avantage de cet élément, c'est qu'avec son revêtement métallique, il permet de résister très fortement au choc. C'est très, très intéressant pour les, par exemple, pour les écoles qui subissent pas mal de chocs. On résiste jusqu'à un jet de balle de 180 km/h. Donc c'est une installation, pardon, qui peut se faire soit verticalement, soit horizontalement. Pour vous simplifier vos recherches, je souhaitais également vous montrer et mettre en avant qu'on a différentes solutions à vous apporter. La première, c'est évidemment nos prix fournis posés. Ça, vous pouvez nous le demander. Ce n'est pas sur notre site internet, mais vous pouvez le demander à votre contact commercial en région directement pour qu'il vous le transmette. On a nos fiches techniques qui sont téléchargeables sur le site internet. On a également réalisé des outils d'aide à la prescription pour le marché de la santé et de l'éducation. En fait, cet outil, on le classifie donc en fonction du différent type de local que l'on retrouve, soit dans le domaine de la santé ou de l'éducation. On vous propose différentes solutions qui s'adaptent sur les plafonds et sur les murs avec les prix fournis posés en lien avec ces solutions. Et également, sur le site internet, on a les PV acoustiques qui sont téléchargeables directement ainsi que les descriptifs types. Et si vous souhaitez plus d'informations, vous avez ici nos contacts donc, qui sont en région, que vous pourrez retrouver ici avec leur numéro de téléphone directement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. On va prendre 5 petites minutes à y répondre. Si vous n'en avez pas, on passera directement la main à Thierry. Non, tout était clair. Voilà. A priori. Ah, si, une petite question. Oui, je la vois. En quoi le Alors, bac métallique donc, on a une question. Voilà. C'est ça, hein. Ouais. En quoi le bac métallique est-il oui, c'est ça. Donc, le bac métallique, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que finalement, l'acier, et vous avez raison, l'acier, juste de par sa nature, va réverbérer une onde sonore. Un bac métallique, il faut le voir comme étant en fait un élément qui va être perforé sur sa surface. Hein, il va y avoir des petites perforations dans lesquelles on va le garnir derrière par un voile acoustique, donc un voile généralement qui va être noir, et qui va déjà, juste ce voile, permettre d'absorber l'onde sonore. Vous avez l'onde sonore qui va traverser le bac et qui va arriver à la surface du voile et être absorbée. Le deuxième élément, c'est qu'on va pouvoir ajouter un matelas de laine minérale en garnissant. Et qui va permettre d'améliorer encore plus la portion acoustique. Sur un plafond métallique, on peut très bien l'absorber jusqu'à un alpha W de 1. Également, sur un bac métallique, on peut aussi rajouter ce qu'on appelle un capot, qui va être un élément de masse, donc généralement une plaque de plâtre, qu'on vient rajouter derrière tout cela, et qui va permettre l'isolation acoustique, finalement, on en parlera après, mais entre deux pièces. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Donc, il a une petite question aussi par rapport à l'extérieur. Alors, j'ai pas vu. C'est quoi la question? C'est prévu pour l'extérieur. Ah, voilà. Donc, effectivement, il y a des c'est solutions. Juste après, hein, même en extérieur. Le PM300, par exemple, qui est une solution qui peut s'installer en extérieur directement. Donc, il est aussi garni hein, par une laine minérale. Et il résiste très bien à l'humidité et ainsi qu'au vent, en fait, hein, qui est vraiment une des problématiques les plus courantes sous les préaux. Donc, il est en fait clippé hein, par derrière, il est accroché à l'ossature. Merci beaucoup. Donc, la petite question par rapport à Bruno. Donc, oui, en effet, la présentation vous sera envoyée à la suite du WebTech avec les contacts directement. Voilà. Donc, vous aurez un mail dans la journée pour avoir tous les éléments. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous en avez pas, on va passer directement à la présentation de Thierry. Donc, Thierry, je te laisse la main. Juste, hop, tac. Ah. Donc, Thierry Suril, donc moi je m'occupe de l'acoustique chez mon plaque-plâtre, fabricant de système en plaque de plâtre, isover, tout ce qui est isolation, laine de verre, laine de roche principalement, et isonate, tout ce qui est isolation en fibre de bois, en isolant biosourcé. Donc, moi je vais vous parler principalement de tout ce qui est isolation acoustique. Donc d'abord, le bruit, donc c'est un ensemble de sons et le bruit, on le caractérise par une unité de mesure qui s'appelle le dB. Donc le dB, c'est
plus le niveau est élevé, bah, plus le bruit est fort. Hein. C'est sur le. Alors, je sais pas, si vous voyez ma souris, ici, voilà les niveaux en dB. Et aussi, les niveaux de bruit, on les caractérise en fonction d'une fréquence. Donc, on a tout ce qui est fréquence grave, donc en dessous de 300 Hz. C'est, bah, je vais essayer de faire un son grave. Ah, par exemple. Les sons aigus, donc c'est tout ce qui est dans les hautes fréquences. I, par exemple. Bon, les sons aigus, je n'arrive pas forcément très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que on prend en compte l'intensité du son en dB et sa fréquence. Si tu peux juste passer, Célia, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'oreille humaine est capable de distinguer deux sons. Pour distinguer deux sons, il faut au moins 3 dB d'écart entre ces deux bruits. Donc, ce qui veut dire également, quand on raisonne sur la performance acoustique d'isolation d'un système, il faut au minimum 2 à 3 dB pour pouvoir avoir une vraie amélioration du pouvoir isolant du système. Et pour être bien plus confortable, il faut 5 à 10 dB. Et là, on a un gain considérable d'isolation. Voilà, bon là ça fonctionne, j'arrive à prendre la main. Donc dans le bâtiment, pour tout ce qui est sollicitation du bruit, on a 4 types de sources de bruit. On a tout ce qui est le bruit aérien extérieur, donc c'est le bruit de la circulation, les avions, les trains, le bruit dans la rue, etc. Les bruits aériens intérieurs, donc ça va être la sono chez votre voisin, les enfants qui jouent dans une maison, etc. Il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le bruit d'impact ou bruit de choc. Donc, les bruits de choc, c'est quoi? C'est les objets qui vont tomber sur le sol. Ça va être tout ce qui est bruit de pas et tous les meubles qu'on peut tirer, par exemple, dans la maison ou quand on passe, par exemple, l'aspirateur ou des choses comme ça. Et après, également, tout ce qui est bruit d'équipement. Donc, ça va être les ascenseurs, les VMC, les chaudières, etc. Donc, tout ça, ça se mesure et on a des exigences réglementaires par rapport à ces sources de bruit. Donc, en fait, on a pour l'isolation acoustique, pour réussir une bonne isolation acoustique, il y a plusieurs paramètres très importants. Il y a bien sûr la propriété acoustique du produit et du système. En fait, en isolation, on raisonne produit, mais surtout système. Je vous le montrerai tout à l'heure. On peut avoir le même produit mis en œuvre d'une manière différente, avoir des performances plus ou moins élevées. Il y a aussi, bien sûr, la qualité d'installation des produits. Ce n'est pas le tout d'avoir des bons systèmes, mais il faut qu'ils soient bien installés. Et il y a aussi une histoire de conception de pièces et de liaison entre les différents systèmes. Faut d'abord mettre une cloison séparative et faire les doublages après. Par exemple, on fait d'abord les murs séparatifs et on fait les chapes flottantes de part et d'autre du mur séparatif. Voilà. Il y a tous ces paramètres qui sont importants pour réussir une bonne isolation. Alors là, c'est ce slide-là, en fait, quand on me parle de dB, ou quand on vous parle de dB, il faut vraiment se poser la question de quel dB on parle. Parce qu'en fait, tous ces indices-là, c'est du dB. Et c'est les indices d'isolation acoustique. Donc, on regarde déjà deux critères. C'est les performances mesurées en laboratoire. Nous, en tant qu'industriel Placo Isover, on mesure nos systèmes en labo. Donc, en fait, on mesure le pouvoir isolant de notre système. Donc, comment ça se passe? En fait, on a deux pièces qui sont complètement indépendantes. On a un premier cube dans lequel on vient monter notre élément, par exemple la cloison, et un deuxième cube qui est complètement indépendant. Et quand on regarde l'affaiblissement acoustique, donc le RA, c'est la différence entre le niveau de bruit à l'émission, là où il y a un haut-parleur, et de l'autre côté de la paroi. Donc, plus le RA est élevé, plus le système, donc la cloison, isole. Donc ça, c'est le RA. Donc c'est pour tout ce qui est bruit, quand on caractérise une cloison, par exemple, ça permet de séparer deux pièces à l'intérieur d'un bâtiment. Donc tout ce qui est bruit aérien intérieur, c'est le RA. En parallèle, on fait la même mesure in situ. Donc on fait la différence de bruit entre un local A et un local B. Tandis que là, dans la vraie vie, les locaux, par exemple, les planchers sont souvent filants et les planchers hauts et planchers bas filants. Donc,
c'est un DNTA, c'est un isolement, c'est le DNTA. Et là, par contre, il y a effectivement le bruit qui passe par la cloison, mais il y a également le bruit qui passe par toutes les voies, les chemins latéraux, c'est-à-dire le bruit qui va passer par le plancher, il excite le plancher et il redescend de l'autre côté par l'intérieur du plancher. Donc là, on raisonne en DNTA. Et ce DNTA, c'est pareil, plus il est élevé, plus il y a un isolement important entre les deux pièces. Et c'est ce DNTA qui est réglementaire. Je vous montrerai après les différentes réglementations. Et ça, c'est une obligation. C'est une exigence de résultat. On a la même chose pour tout ce qui est bruit aérien extérieur. Par exemple, ici, on met en place une fenêtre et en labo, on mesure un RATR. Et la performance demandée in situ, c'est un DNTATR, c'est l'isolement par rapport au bruit aérien extérieur, donc d'une façade. Donc voilà, RA en face le DNTA, RATR en face le DNTATR. Pour tout ce qui est bruit de choc, on le mesure également, c'est ce petit graphique-là. Donc en fait, alors je vais remettre ma caméra, je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. C'est une petite machine qui vient taper sur le plancher et on mesure le niveau de bruit en dessous. Donc là, on est en niveau, faut que c'est in situ, on mesure un L'TW, il faut que cet indice-là soit le plus bas possible. Et après, pour justement caractériser tout ce qui est revêtement de sol, une chape flottante, par exemple chez nous, chez Isover, on vend des sous-couches sous chape. Donc, on caractérise le delta LW d'une sous-couche, donc c'est-à-dire c'est l'amélioration de l'isolation au bruit de choc d'un revêtement de sol. Donc, comment on fait l'essai? C'est-à-dire, on tape sur la dalle nue, on mesure en dessous, on a un niveau, par exemple, de 80 dB sur une dalle de béton. On met notre chape flottante, on mesure en dessous. Si on a 60, voilà, on a un pouvoir isolant au bruit de choc de 20 dB, un delta LW de 20 dB. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on vous parle de dB, de quel dB on parle? Est-ce que c'est la performance labo ou la performance in situ? Ça, c'est très important. En acoustique, on a deux grands principes d'isolation. On a la loi de masse. En fait, la loi de masse, c'est juste un matériau homogène, par exemple une paroi en béton, et effectivement, plus le matériau est lourd et plus il est épais, plus ça sera performant. Par exemple, un béton de 20 cm sera plus performant qu'un béton de 15 cm. Et par exemple, un béton de 10 cm sera plus performant qu'un carreau de plâtre, par exemple, de 10 cm. Et après, on a tous les systèmes que l'on vend chez Placo Plâtre et Isover, tous les systèmes qu'on appelle masse-ressort-masse. Donc, c'est quoi un masse-ressort-masse? C'est un système constitué d'une première masse. Bon, par exemple, ça est un parement en plaque de plâtre. Après, le ressort, c'est constitué de la cavité et de la liaison entre le parement 1 et le parement 2. Et effectivement, donc l'autre masse, l'autre parement. Et le fait d'avoir différents éléments comme ça, quand une onde acoustique vient attaquer la cloison, il y a de la dissipation d'énergie, pouvoir isolant de la plaque, dans la laine minérale, et après, de nouveau une plaque. Donc, un système masse-ressort-masse, sa performance va dépendre, bien sûr, du remplissage ou pas de la cavité, de l'épaisseur de l'isolant, de la nature du parement. On sera plus performant avec deux BA13 qu'une BA13, par exemple. Et de la liaison entre le parement A et le parement B. Et par contre, on dit qu'effectivement, plus un produit est lourd, plus c'est performant. C'est vrai pour les masses qui sont à l'extérieur du système, mais ce n'est pas vrai pour l'isolant. Par exemple, il n'y a pas de différence acoustique pour une laine semi-rigide en laine de verre ou en laine de roche. C'est pas plus l'isolant est dense, plus la cloison est performante. Ça, c'est faux. Alors, si on passe, Célia, s'il te plaît, merci. Là, je vous compare deux systèmes. Un simple mur en béton de 18 où on a un RA, donc c'est l'affaiblissement acoustique mesurant en labo, cette courbe-là d'un béton, on a 60 dB. Et on le compare à un système masse-ressort-masse que l'on vend notamment pour séparer des appartements. Donc, c'est une SAD de 180. Donc, en gros, c'est deux BA13 fixés sur une ossature métallique avec une laine de 45 et la même chose de l'autre côté mais avec trois plaques. Donc cette cloison a un affaiblissement acoustique de 63 dB. Donc on est plus performant avec un système masse-ressort-masse qui est beaucoup plus léger, là qui fait que 50 kg comparé aux 400 kg au mètre carré. Alors, si tu peux, Célien, s'il te plaît, voilà. Là, je vous compare des cloisons distributives, donc c'est deux BA13 fixées de part et d'autre d'une ossature de 48. Cette cloison-là, sans isolation, on a 40 dB.
En mettant une laine de verre, un parc phonique de 45 mm, on passe à 47, on gagne 7 dB. Et bien sûr, après, en augmentant, en prenant des profilés plus larges et en remplissant la cavité, avec une laine de 70, on passe à 50. Et avec une laine de 85, on regagne encore 2 dB, on passe à 52. Donc, vous avez vu, avec les mêmes produits, 2 BA13, une ossature métallique et de la laine, on a des gains de 12 dB. Alors, Célia, parce que je, voilà. Maintenant, je vous montre l'influence du parement. Donc là, c'est 2 BA13 de part et d'autre d'une ossature avec une laine de 47 dB. Et si on remplace cette BA13 par une plaque innovante en monoparement, c'est-à-dire qu'on a remplacé les deux BA13 par des plaques sandwich qui s'appellent la Duotech 25. Donc, en gros, c'est une plaque acoustique placophonique avec une plaque standard, avec un film acoustique entre les deux. Et grâce à cette plaque, sur la même épaisseur de cloison, on gagne 7 dB. On passe de 47 à 54. Et pour encore améliorer la performance de cette cloison, on remplace ce montant standard par un montant acoustique qu'on appelle chez Placo le MSP48. Et on regagne encore 57 dB. Alors après, voilà. Maintenant, je vous montre l'influence de la liaison entre les deux parements. Quand on est en cloison simple, en cloison de 150, avec deux BA13 de chaque côté, on est à 52 dB. Juste en mettant une double ossature complètement désolarisée, on n'a plus de liaison mécanique entre ces deux plaques-là et ces deux plaques-là, on regagne encore 10 dB. Donc, vous avez vu qu'en acoustique, avec les mêmes produits, c'est vraiment, on raisonne réellement en système et pas justement uniquement en produit, c'est vraiment le système qui fait la performance. Alors après, là, je vais vous passer rapidement des différentes réglementations qui existent. Donc, il y a des réglementations acoustiques qui existent dans les bâtiments résidentiels, les hôtels, bâtiments d'enseignement et les hôpitaux, où on a des exigences de résultats. Donc, c'est la loi qui demande des niveaux mini d'isolement. Alors, si on peut, je vous montre l'exemple, par exemple, en logement. En logement, voilà, vous avez en marron ici les différents niveaux d'isolement demandés. Par exemple, entre deux appartements, on demande un isolement, un DNTA mini de 53. Pour les bruits de choc, c'est pareil, il y a une exigence de résultat. Le L'TW, le niveau de bruit de choc, quand on vient taper avec la machine dans cette locale-là, dans la pièce d'à côté ou dans la pièce du dessous, on doit avoir un niveau inférieur à 58 dB. Voilà, il y a différentes exigences comme ça. Voilà. Par contre, à l'intérieur de son propre logement, on n'a aucune exigence acoustique. C'est-à-dire qu'on peut faire les cloisons comme on veut. Et après, on va plus raisonner en termes de confort. Effectivement, ça va être pour le confort intérieur de l'intérieur de chez soi. Mais il n'y a pas d'exigence réglementaire sur les cloisons intérieures. Mais je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Il y a également, mais je passe rapidement, des exigences où il faut un traitement acoustique dans les parties communes pour éviter que le bruit s'amplifie dans les couloirs. Alors, ça, c'est pour les bâtiments résidentiels. Après, pour les hôtels, on a la même chose. Donc, les exigences un peu moins fortes, on doit 50 dB d'isolement entre deux chambres. Et pour les bruits de choc, on doit un niveau de bruit de choc de 60 dB. Donc, c'est un peu moins exigeant. Maintenant, ça va être pour les bâtiments d'enseignement. Là, c'est pareil, en fonction du type de pièce, on va avoir des isolements plus ou moins élevés. Là, je vous en donne un exemple. Par exemple, entre deux salles de classe, on doit minimum 40 ou 43 dB. Par contre, par exemple, entre une salle d'exercice pour les écoles maternelles et la salle de repos pour les petits, on doit un isolement de 50 dB. Donc voilà, après, la même chose pour les bâtiments de santé. Les principaux isolements, c'est 42 entre deux chambres. Et entre le couloir et une chambre, on doit 27. Voilà. Après, donc maintenant, je vous montrerai rapidement des différentes solutions, notamment sur les cloisons. Alors, je vais vous montrer principalement je passe rapidement, mais une cloison, voilà, elle est constituée d'une ossature métallique tous les 60 cm ou 90 cm en fonction du type de plaque. Et vous avez une ou deux plaques de part et d'autre de la cloison avec une laine minérale, donc le parc phonique. Donc là, je vous montre les cloisons juste après, Célia, s'il te plaît. Voilà, tout ce qui est cloison pour séparer deux pièces d'un même logement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'exigence acoustique, mais on va raisonner principalement là pour le confort des occupants.
Par exemple, une simple cloison alvéolaire en carton, qui chez nous s'appelle la plaque au pan. Moi, en tant qu'acousticien, c'est une plaque, c'est pas une cloison acoustique, quoi. Ça permet de séparer deux pièces et c'est tout. On n'a que un affaiblissement acoustique de 29 dB avec cette cloison, donc qui est très faible. Et après, on passe avec des cloisons, avec deux BA13, une ossature et avec une laine, on passe à 39. Et après, avec la plaque acoustique, la plaque phonique, on passe à 42. Donc, moi, en tant qu'acousticien, on devrait avoir au minimum, je dis bien au minimum, cette cloison-là partout. Et après, effectivement, si on veut plus de renfort, soit on met plus de plaques, on remplace la BA13 par la plaque phonique. Voilà. Mais là, on résonne en confort. Avec du 29 dB, en fait, vous entendez tout ce qui se passe de l'autre côté. Hein. C'est vraiment rien, 29 dB. Alors après, pour tout ce qui est cloison dans les ERP, donc c'est là où on a une exigence, je vous ai montré tout à l'heure, soit d'isolement de 42 ou de 47 en fonction des pièces. Et dans les notices acoustiques, les acousticiens, pour avoir un isolement de 42 dB, prescrivent au minimum une cloison à 47. Donc, c'est par exemple la 98-48, donc 2 BA13, une laine de 45. On a des solutions plus économiques où on remplace les 2 BA13 par une BA18S et un montant de 60 et une laine de 60. On est à 47. Et après, c'est pareil, pour plus de confort ou pour des exigences supérieures à 47, on utilise la plaque que je vous ai décrite tout à l'heure, la plaque Duotech. Donc ça, c'est pour les cloisons distributives dans les ERP. Après, maintenant, je vais vous montrer des solutions, les SAD. Donc, c'est une double ossature complètement indépendante, donc avec deux épaisseurs de laine minérale et des plaques de plâtre de part et d'autre. Donc là où on a des performances beaucoup plus élevées. Et c'est donc on va retrouver, par exemple, dans les hôtels. Donc, le slide juste après. Voilà, pour les hôtels, un acousticien, pour avoir ce DNTA de 50 dB, il prescrit habituellement une SA 140, donc c'est 2 BA13 sur des ossatures alternées, de minimum à 59 dB. Pareil, pour des soucis, pour avoir une solution plus économique, c'est on remplace les 2 BA13 par une Duotech, on reste en 140. Et si on veut être plus performant, on peut passer même à une cloison de 120, où on gagne 2 cm et on gagne 2 dB. C'est-à-dire on est moins épais. Et on est plus performant, on passe à 61 dB. La même chose pour les séparatifs après, dans le slide d'après, pour les séparatifs de logement. La cloison qui est décrite par les acousticiens, c'est une SAD 180, donc 3 BA13 d'un côté, 2 BA13 de l'autre et de laine de 45. Et la solution qui est plus économique, moins épaisse et plus performante, c'est en 160 mm, une Duotech de chaque côté et de laine de 45. Donc, c'est cloison qui a un affaiblissement acoustique de 66 dB. Donc, voilà. Voilà pour la partie cloison. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que on a sorti toute une gamme d'isolants flexibles en fibre de bois sous la marque Isonap. Donc, c'est un isolant biosourcé. On a vérifié la performance acoustique des cloisons avec l'isolant en fibre de bois. Et on a vérifié également, on a fait des PVFE sur ces cloisons. Donc, sur le slide d'après, voilà, là ici, c'est les équivalences entre les laines de verre parphonique et les isolants en fibre de bois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait des essais acoustiques sur tous ces isolants. Après, je vous montre très, très rapidement d'autres solutions. Voilà, on a développé des suspentes acoustiques, notamment pour le nouveau marché. Du bois. Donc, pour des petits collectifs en bois, on a souvent des planchers séparatifs en plancher bois sur solive. Et pour des gros collectifs, on a des planchers en bois massif en CLT. Et on a fait toute une série d'essais acoustiques. Donc, je vous montre rapidement, mais là, il y a beaucoup de valeur, mais vous pourrez les regarder après dans le live chat. On a caractérisé justement sur des planchers en CLT et des planchers bois sur solive la performance acoustique avec différentes épaisseurs de plaques et avec cette suspente acoustique. Donc, soit l'intégral de phonique qui est vendu chez Isover ou le cavalier DBF, donc ça juste après, qui est vendu chez Isover. Voilà. Et juste pour le slide d'après, on a fait des fiches justement pour tout ce qui est solution construction bois, où on a donné les solutions qui sont compatibles avec la réglementation acoustique et aussi avec, là j'introduis ça rapidement, il y a une nouvelle exigence qui est demandée, notamment sur tout ce qui est logement bois, où
un nouvel indice qui s'appelle le L'TW plus le CI50 qui prend en compte tout ce qui est basse fréquence et il y a une exigence plus forte que la réglementation. Et il y a notamment la certification Qualitel qui impose d'avoir, de mesurer et de respecter cette valeur-là. Voilà. Donc, voilà, j'ai terminé là ma présentation. Donc, je vous remercie. Et ouais, donc ici, juste quand même, avant, vous pouvez retrouver, donc en termes de service, vous pouvez retrouver toutes les infos sur nos sites internet, laco.fr, isover.fr, isonaut.fr. Les documents, les deux principaux documents où vous allez retrouver les performances acoustiques, il y a l'intégrale Placo et le guide acoustique Isover. On a des services sur MyPlaco et MyIsover. Pareil, vous allez avoir bâti chiffrage pour connaître le coût des systèmes, le coût fourni posé de nos systèmes. On peut avoir aussi également le CCTP. Et puis, on a une assistance technique Placo avec un numéro et une assistance technique Isover pour tous nos clients professionnels. Voilà. Bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bah, si vous avez des questions, plutôt. Alors, on va regarder ça. Alors, oui. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un ordre de prix FNP pour chaque système. Alors, Guillaume l'a dit. Ouais, dans les outils qu'on a, si vous inscrivez sur MyPlaco ou MyIsover, on a un outil bâti chiffrage où vous allez retrouver. Vous pouvez retrouver un coût fourni posé des solutions. Alors, surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore quelques petites minutes. Puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent aussi par la suite, vous aurez les contacts directs, donc vous pourrez leur poser après le webinaire. En attendant, s'il y a des questions qui arrivent, j'aurais juste insister sur deux points, en fait, plus exactement deux slides. En fait, votre prescription va vraiment être essentielle dans notre cadre de vie et effectivement en fonction du matériau que vous allez choisir, de notre confort de vie. Ici, je vous ai simplement pris un exemple dans le domaine de la santé et des établissements scolaires et ce que les bénéfices acoustiques peuvent engendrer au quotidien est souvent lié au matériau, en fait, on va mettre en avant dans cette pièce. Sylvain l'a très bien décrit tout à l'heure, l'activité, ce qu'on va faire dans cette pièce, le nombre de personnes, est-ce qu'il va y avoir aussi des hommes, des femmes, des enfants, et l'espace, comment l'architecte l'a designé, va avoir une répercussion cruciale sur notre cadre de vie. Et en fait, là, on peut distinguer entre trois bénéfices. Le bénéfice santé, donc ça va être quoi? La diminution des arrêts maladie, du stress, de la fatigue, de la qualité du sommeil. On va mettre aussi en avant les bénéfices économiques, avoir une meilleure productivité, car on va être moins soumis aux gènes sonores et on aura un meilleur taux de présence et donc une meilleure efficacité. Et le dernier bénéfice, c'est le bénéfice physiologique. On va avoir une amélioration de la communication et de la compréhension et la réduction effectivement de risque d'erreur. Donc vous êtes un élément clé en fait de votre confort et des matériaux que vous allez préconiser au sein du bâti. Et juste pour vous indiquer cette échelle de valeur, pour vous repérer en fait, parce que quand on parle de dB, c'est quoi le dB? Eh bien ici, ça vous permet de vous resituer dans cette graduation. En fait, le seuil de confort, il est situé environ à 45 dB. Après, on commence à rentrer dans une zone dite de fatigue, jusqu'à un fort risque de dégradation pour notre santé. Parce que vous pouvez voir qu'effectivement, à partir d'un certain seuil, là, il y a des répercussions fortes sur notre organisme. 50 dB, à titre indicatif, c'est une conversation normale, comme on peut avoir en ce moment. Et la concentration, en fait, commence à être difficile au-delà de 60 dB, si on fait référence au code du travail. Et en fait, on y est rapidement à 60 dB. Donc, c'est pour ça que le choix des matériaux, aussi bien sur la partie isolation qu'absorption, est vraiment crucial. Et vous êtes les acteurs clés, en fait, de ce confort. Voilà, donc on a une petite question qui est venue entre-temps. Isosol sous chape dispose d'un classement NFP61-203, inférieur à 200 kg par mètre carré sous chape. Disposez-vous d'un isolant sous chape sur support bois adapté aux ERP, charge admissible inférieure à 500 kg par mètre carré?
Alors, technique, en fait, l'isosol avec une chape en mortier traditionnel, hein, selon le DTU 5210 et 26.2, c'est un produit qui est classé, il y a un classement des produits sols, classement mécanique et acoustique. Il est classé SC2 à 3, donc le fait qu'il soit classé A, avec une chape en mortier traditionnel de 6 cm au-dessus de l'isosol, l'isosol c'est un isolant rigide en laine de verre de 13 mm, on peut aller jusqu'à 500 km². Par contre, pour tout, on a d'autres gammes, c'est les demi-sols. Les demi-sols, effectivement, on est limité à 200 km², mais l'isosol, on peut aller jusqu'à 500 km². C'est une chape de 6 au-dessus de l'isolant. Donc, on peut aller jusqu'à 500 km² avec l'isosol. Il fait 13 mm. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer parce qu'on est arrivé au terme de ce WebTech. Et comme je vous l'ai déjà dit, donc le PDF vous sera transmis, également les contacts. Comme ça, si vous avez des besoins, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par la suite. Et donc, nous vous donnons rendez-vous aussi pour un autre WebTech qui arrivera d'ici la fin de l'année. Donc, on vous redonnera les dates et la thématique si ça vous intéresse de venir au prochain WebTech de Saint-Gobain Solutions France avec un tech service. Donc, nous vous souhaitons tous une très bonne journée. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.